Après, moi, individuellement, je pense que c'est aussi là une question de choix. Les gens m'apprécient, je le remarque beaucoup plus pour ma personnalité que même pour mon football. Mais en réalité, c'est toujours le football qui primera sur la vie générale. C'est-à-dire que les gens t'apprécieront en fin de compte, puisque la plupart, en réalité, des supporters, bon, voilà, c'est, ils vivent pour le football et ils ne connaissent pas les personnes. Les gens t'apprécieront pour ce que tu apportes sur le terrain et pas pour les gens que tu aides à côté ou pour ta personnalité ou le fait que tu sois gentil ou méchant. Ça restera toujours le football en premier lieu, la première opinion. Donc moi, ce que je peux faire en réalité, c'est juste voilà, assurer un max sur le terrain pour faire en sorte déjà que les gens s'ouvrent à vouloir me connaître, s'engagent à vouloir me connaître un peu plus, parce que genre un mec qui sait pas jouer au football, ben voilà, c'est pas intéressant. Et puis par la suite, ben c'est là où les gens, si les gens prennent la peine de te connaître, ben qui commencent à t'apprécier un peu plus que par rapport au football.